Dans cette vidéo, nous vous présentons les clés pour mener à bien votre projet d'architecture incluant des fibres végétales. Premier point essentiel à prendre en compte, l'exposition à l'eau. Les fibres végétales sont particulièrement sensibles à l'eau. Dès la phase de conception, il est important d'éviter l'infiltration d'eau par la tête de mur ainsi que les remontées capillaires en pied de mur. De manière générale, on évite les pièges à eau et autres rejaillissements, en particulier autour des menuiseries. Comme on l'a vu précédemment, les fibres végétales sont perméables à la vapeur d'eau et jouent le rôle de régulateur hydrique, ce qui est un atout pour le confort des usagers. Il faut donc veiller à ce que la vapeur d'eau puisse effectivement migrer depuis l'intérieur de la paroi vers l'extérieur. Pour cela, on ferme relativement la face intérieure afin de limiter la pénétration de vapeur d'eau et on ouvre la face extérieure.